Ah, attends 2 secondes, Sky. Je me trouve que t'es garé à côté de moi ou pas? Ouais, je suis à côté de toi. Tu devrais voir mes phares d'atterrissage. Ouais, je les vois illuminer la tour, c'est ça? Comment? Je les vois illuminer la tour. Ouais, voilà, la tour, c'est exactement ça. Écoute, ça va être sympa. Hein. Allez, je sors de mon emplacement. Ensuite, tu partiras à gauche ou droite? Je sais pas. Je sais pas trop où est-ce que j'allais. Putain, mais est-ce qu'elle est la dome light sur le mic, putain? Tu sais où est-ce qu'elle est? J'engage sur le taxi, ouais. Oui. Et je commence le roulage. On va décoller sur la piste 04. Dans une minute ou deux, je suis en vol. Ah, sur nous, on n'est pas à côté, donc, en tous les cas. Ouais, ouais mais faut pas que je perde de temps pour les cibles aussi. Bien sûr. Pour vous. Tu peux avoir communication radio avec la WAX, Sky? Sur quelle fréquence, tu l'as mis? C'est 124. Normalement, ça devrait être ton channel 0. 0? Bah, je vais regarder si je peux recevoir l'info. Ah, je pensais qu'on faisait un décollage synchro. Comme tu veux. Bah, écoute, bah, ça va être dur, hein, parce que moi, ouais, je suis vraiment lourd. Bah, je fais un... On met 5 secondes d'écart, comme ça, je suis sûr de pas te poser de problème. Okay. Ça marche, alors attends, laisse-moi me... Donc on fera un virage à droite, on se dirigera... Quoi que remarque... Non, on fera un virage à gauche, on se dirigera au 280. Un virage à gauche, firme au 280, juste régler mon FD. Normal. C'est ça. Ok. Et... Oula. Là, j'ai jamais une merde et là, faut que ça arrive là maintenant, quoi. Ouh, j'ai oublié le trim. Ça peut être très important, ça. PC. Putain, fais chier. Ion Airborne. Et virage à gauche. Ça va être là juste la galère pour moi, le pilotage, quoi. Il marche les autopilotes. Quand j'ai fait la mission, je suis parti du phare. Ouais, non, mais je pense bien, mais c'est la première fois que j'ai ça. Prends la procédure sous les yeux. Et là, je la reprends, mais. Et Mick Airman. Ok, reçu. On va se diriger maintenant au 180. On monte en altitude? Ouais, tranquille, on va monter, ouais. Ok. Consomme à fond, hein. Ah ouais, non, mais le Mick, c'est court, pas, là, le que tu fais avec. Hein. C'est pas qu'il consomme, c'est qu'il a très peu d'emport en carburant, en fait. C'est pas tant la consommation qui est excessive, enfin si, elle est grosse, mais... Voilà quoi, c'est un moteur à post-combustion. Mais surtout que quand tu regardes ce qu'il peut emporter, bah 3 tonnes quoi. T'emportes une tonne de moins que dans un 2000. Et pourtant le 2000 il est pas gros. T'as encore ta petite lumière gyroscopique, tu regardes? Je sais pas si c'est très normal. L'anticollision? Ouais, ah c'est ouais. L'anticolle ça. Ouais, c'est celle qui clignote. En rouge? Qui tourne, ouais. Ouais. C'est anticollision, ouais. D'accord. C'est dommage qu'il n'y ait pas les gouttes d'eau sur le pare-brise et tout ça. Ouais, ça c'est le truc qui manque, c'est bon, j'ai coupé. T'as pas un truc précis genre... Ah, est-ce que putain, tu traînes avec sans le stage de PC, hein? Ouais, ouais, je traîne, ouais. Mais là, il est lourd, là. Puis les pods roquettes, ils sont gros et les roquettes, elles sont... Big 21, il est plus rapide. Ah bah oui. Bah là... Peut-être pas en configuration lisse, hein, mais en tout cas, ouais, assurément, avec les emports, ouais. Là, j'ai un réservoir... Le réservoir central, les 4 pods de roquettes qui sont gros et lourds, et 2 missiles RR. J'aurais dû en apporter qu'un. J'arrive pas à contacter la WAX. Je maîtrise pas du tout les radios du Vegan, elles ont un fonctionnement particulier. J'arrive pas à les utiliser. Je demande un bogey dope, je vais te dire ça. Vas-y. Ok, 138 pour 50 nautiques ou kilomètres, je sais pas. Il est dans kilomètres, non? 50 nautiques. 138 pour 50 nautiques. Ah, si. À 11 000 pieds. Ok. Qui sont sur la côte. Et plus haut que nous. Et c'est un camp, c'est un genre de camp, un truc comme ça, c'est ou quoi, t'as un avant-poste, ouais, un gros camp. Un gros camp, putain. Ouais, j'ai changé de place, je vois rien, fais chier, quoi.
J'ai mis le radar en stand-by hein, pour pas cramer le. Ouais, le carburant. L'alcool. Ouais. L'alcool. Ouais. Ah là. Que d'avions russes. Et en même temps, il y a du relief qui était trop bas aussi. Oui, possible. Mais fais gaffe à pas monter trop haut non plus. On va longer la côte, Sky. Affirme. Je tourne à gauche. Direction sud. C'est quoi des fois ces affichages en bleu là que j'ai sur mon. Sur ton abris. Ouais. Sur. Bah, c'est peut-être l'ennemi. J'ai un contact radar. Un RWR, pardon, plein nord. Affirmatif. C'est. Ça doit être toi ou la WAX. Putain, je suis sur zone, je vois rien. C'est sûrement la WAX parce que moi je l'ai. Je suis en stand. Ok, Rassi, je redresse. Affirme. Toujours sur ton aile droite. Hein. Ok. Et j'aurais demandé un bogey dope pour regarder ce que ça donne. Je les avais en visuel, ouais, affirmatif. Ah, c'est bon, je les ai au radar. Je suis pas encore à portée de tir, ça va pas tarder. Je suis. Je reste un peu en arrière. Copy. C'est bon, j'ai lock le premier. Ah là, je vois mieux. Je suis prêt à larguer mes roquettes au cas où venir t'aider. C'est parti. Ok, ouais, je vois une sorte. Je vois une sorte de. Il y a un radar là. Oui. Ah, je le vois, oui. Oh, départ missile. Il y a eu un départ missile. Il y a eu un départ missile. Je flaire. Splash, il y a eu un splash. Ah, il y a eu un splash. C'est pas ouais, moi. Il y a eu un splash. Ok, fais gaffe, je vois le un F5, je crois. Négatif. Ça flaire. Ouais, je les vois. Fais gaffe, il y a les systèmes antiaériens ennemis qui sont encore sur zone. Remonte un peu sur le nord, si tu peux. J'essaye, mais je suis le F5, j'ai pas envie qu'il aille faire chier tout le monde là-bas. Ah, je l'ai là. Allez, Fox 2. T'as vu le départ missile? Affirmatif. Surveille mes 6 heures que j'ai pas un truc dans, sur le cul. Je sais pas où t'es. T'as les deux mics derrière toi? Devant toi? J'ai un contact devant et rien derrière. Je vois pas où t'es pour l'instant. Ok, j'ai passé. Oh. Splash, il y a... Ah non. Ah non. Ça splash hein. Ah non, c'est le missile qui a lâché. C'est autodétruit. Ouais. Ce qu'il est. Oh là, j'ai perdu, fais chier mon temps dans les nuages. Merde. Tu es où toi? Je suis sous la couverture nuageuse là. Ok, je vois deux. J'ai deux contacts, deux spots sous la couverture nuageuse. Bon, je largue mes enfants en armes. On ira se réarmer. Putain, je sais pas ce qu'ils sont, ces enfoirés. Tu largues des fers? Négatif. Ah, c'est là okay, derrière, je l'ai vu. J'en ai un. Je le vois. Putain, c'est quoi ce délire? Fox 2. Celui en rasmote là? Ouais, il est en train de faire une ressource. Affirme. Putain, il y a un bug. Hein. Je le vois. Oh, splash. Ah, ça vole encore? Ça vole encore, je crois. J'ai plus de missiles. C'est les MiG-23, c'est ça? Affirmatif, MiG-23. Eh, y'a un bug, hein. Pourquoi? Parce que y a rien qui s'est passé, je viens de me faire dégager. Dégager, c'est-à-dire? Bah, comme si on m'avait touché. Ah. Bah, comme avec la gaz. Tu t'es fait tuer par le missile. Putain. Tu me vois, Sky? Affirme. Je pense que je suis encore le MiG. Hein. Ok. Il est derrière moi? Négatif. J'ai peur qu'il plonge sur le. Il est avec nous là, il est occupé avec nous. Ah non, il y en a un devant là. Ok, j'en ai un et Fox 1. Ça part pas? Ah, il part pas, je suis hardlock. Je vais réapprovisionner à Sochi, je remets que du RR. Ça
ça marche. Tu me dis si tu t'en sors. Oh la vache, ah oui, non, ok. Oh la vache. Eh, hey, Fox, il est départ missile. Ouais, ouais. Putain, mais c'est dingue ces avions. Hein. Ils savent pas faire. Hein. Et le système d'armement du MiG, là, il est en total déconnage, j'arrive pas à tirer. Quoi. Bah, moi j'ai. Et moi, impossible de tirer avec le KA-50. T'as bien activé tous tes. Tes deux systèmes d'armement. T'as bien activé les deux. Oui. Ah, oui, oui, ah bah oui, je suis pas fait avoir comme la dernière fois. Et impossible que ça marche. Impossible de tirer. J'ai loqué bien la cible. Et encore, j'arrivais même pas à la loquer correctement. Alors que le KA-50, pour loquer une cible, c'est super simple. Et pour tirer, c'est super simple quoi. Tu t'en sors, Sky? Ah, c'est sur Jean Chi, hein. Ils tombent bien les MiG. Hein. C'est salaud avec leur. Leurs élèves géométrie variable. Ah non, mais ça tourne très bien. Hein. Je peux pas suivre. Hein. Ah, il y en a celui-ci. Hein. Reviens plus au nord si t'as besoin. On a des sites de lance-missiles près de Sochi. Deux tonnes, une tonne deux. Ils sont tous les deux derrière moi. C'est pas bon ça. Avec le modèle de visibilité de merde de DCS, comment tu veux spotter un truc qui vole en plus, c'est dingue. Hein. Ils ont supprimé le modèle en largement. Ah bah ça marche pas du tout. Hein. Parce que là je repère à la PC, mais ça s'arrête là. Hein. Si moi je les repérais bien tout à l'heure, j'avais bien deux gros points noirs dans le ciel. Je suis en finale là. Enfin, l'étape avant la finale. Ah, ils vont bien, j'aurais pas de solution de tir si je tire là. Ah, vas-y, Fox 2. On verra bien. Bon, je redécolle. Vas-y, vas-y. Allez, pour vous. Fox 2. Ça part. Oh, il a touché celui-là quand même. Ah, ils accrochent pas les missiles, c'est quoi cette arnaque? Oh là là! Mon dieu! Je t'ai mis derrière 60M pourtant. Hein. Ah bah, ils ont pas accroché, les missiles partent tout droit quoi. Et pourtant, j'ai bien l'alerte de sonnerie. Il y avait un canon, je pense, j'ai pas le choix. Hein. Vas-y, essaie de te défendre au canon, moi je réarme. Je prends 4 RB24. Je réessaye avec un tir derrière 60, mais. Comme t'as des R60, essaie de les utiliser. Fox 2. Ça part là, plein dessus. Ah, je crois qu'il guide celui-là. Splash. C'est bon, putain. Ok, bien joué. Bien joué. Ils ont clairement changé la logique des départs missiles, hein, parce que c'est pas du tout comme avant. Wow. Il doit me rester normalement. Ouais, il me reste un R60 normalement, non, deux même. Je cherche le deuxième maintenant. Il me reste une tonne à bord. Tu peux réarmer, je pense, en air sol dessus. Hein. Non, il sera trop lourd. Je prends que 2 RR. Je vais pas en prendre 4. Ok, vas-y. Je prends que 2 RR. Je retournerai à Sochi pour prendre du air sol s'il faut. Marche. Ok, la WAX ne voit plus rien. Il voit plus rien? Non. Non, j'avais les deux derrière moi tout à l'heure, donc je suis surpris. Ouais, moi j'essaie de régler le compte rapide DSA là. Je vais patrouiller entre Sochi et Yudota à une dizaine ou une vingtaine de nautiques au sud de Sochi. Ça marche. J'ai monté en altitude, j'aurai sûrement un couvert du SA-3. Pour l'instant, là, je suis très basse altitude, haute vitesse et je remonte vers le nord. J'ai posé, c'est bon. Reçu. Je pense pas faire des réparations, c'est pas grave. Prends le temps d'en faire si tu veux. Bah, 3 minutes, je sais pas si j'ai le temps de ces 3 minutes à un MiG 23 traîner. Hein. Ah oui, 3 minutes, ouais. C'est long, hein. Allez, je reprends de l'altitude. Je pense que je peux encore voler. Je sais pas qu'est-ce qui a pris des dégâts, mais ça vole donc écoute. Hein. T'as vraiment pris aucun autre emport que tes Fox 2 Affirmatif. Ouais. Pourquoi? Pour savoir. Ah, il me fallait un maximum de maniabilité.
Ah, j'imagine. Là, j'ai déjà bouffé 40% de mon fuel. Ah putain, ouais. Je les connais. Bon, j'ai toujours rien au niveau du mid, hein, putain. Ah putain, je le vois, il y a sa force combustion là-bas. Qu'est-ce qu'il fout? Il est au large, mais il est loin. Ok, bon, je roule sportif. Dépêché. Deuxième shield qui est en feu, mais il a pas pété. C'est pas grave, s'il est en feu, il va bientôt péter. Il doit être light en missile, hein, je pense, en plus, le mig. Hein. Deuxième radar détruit, pour info. Ok, reçu. Je suis en rotation. Vas-y, vas-y, je suis un peu loin, de toute façon. T'as ton radar on? Négatif, airborne. Pas du tout. Je vais faire une première plongée avec le avec les roquettes, j'en tirerai 16, normalement. Allez, je suis en observation, je suis en stationnaire. Moi aussi, bah je suis à 9, je suis à 9, à peu près, je suis à 9 km de la ZAN, moi. Ok, moi je plonge. Ok. Je sais pas d'où tu viens, moi je suis au bord des côtes. Tu crois que tu vas aussi? Ah merde, ça t'a pas tiré. Ouais, ça tire encore là. Ah putain, il a resectionné mes missiles hier. Il est chier, vous savez. Ouais ouais, et les chars ils tirent. Ok, je replonge. Détruit, c'est pas des chars, c'est des blindés légers, des BTR-80. Ok, bah je suis en train dans le cas. Engage-les. Ouais, ce que je fais. Ah, il y a de l'infanterie, il y a des petits véhicules qui tirent. Vise en priorité le plus les blindés, les véhicules blindés. C'est ce que je fais. Je viens de faire une passe là. Tiens, là je viens de te voir passer avec. Et t'as lancé des flares et tout là. Ouais, flares et roquettes, ouais. Enfin, roquettes avant. C'était beau de loin. Ouais, c'est beau. C'était très joli de loin. Les flares qui partent. Ok, deuxième char. Vas-y, hein, traite le SAU2. Traite le blindé. Hein. C'est ce que je suis en train de faire. Ok, termine, détruit. Et je traite l'autre menace là qui vous tire dessus, qui m'a l'air d'être bien précis quand même. Alors attendez, et dans 2 secondes c'est traité, vous allez pouvoir, il n'y aura plus de tir. Parce que je suis en train de plonger là. Ok, moi je viens de terminer mon refueling. Voilà, missile vient de partir là. Ah bah regarde, je suis en train de tirer encore dessus, mais c'est bientôt fini là. Attention. Ah oui, je viens de te passer en post-combustion là. Ouais. Allez, splash, ah, terminé. Bien vu. Tu l'as vu? Ouais. Bah, le vegan va pouvoir foutre son bordel. Là, tu peux y aller, tu peux passer, y a plus du tout de menace, ça c'est terminé. C'est réglé. Moi, il y a des bunkers, je peux pas traiter ça. Oui, il y a plein de bunkers. Ça, c'est trop long pour moi. On pourra pas les détruire pour ça. Après, t'as des véhicules légers avec fueling. Oh, en fait, si vous voulez. J'ai voir les roquettes tomber là. À l'origine, je pense si j'avais le temps, je voulais déposer. Je voulais qu'il y ait un hélicoptère qui soit soit pris par un joueur, soit contrôlé par l'IA dans le cas échéant, et qui transporte des troupes jusqu'à la zone une fois qu'elle avait été nettoyée. Ah oui. Et qui dépose ses troupes pour qu'ils puissent capturer, envahir le bunker en fait. Ah, il y a encore eu des roquettes de tirer là. C'est pas moi, non. Enfin, moi, c'était il y a 30 secondes. Ah non, il y a encore du véhicule qui a pété encore. Ah, sûrement, parce que je viens de lâcher un tapis de roquettes. Bon, c'est ma dernière passe, c'est je vais retaper. Ah, tu as tué un Kamastruck. T'as tué des Kamastruck, c'est ça qui vient de péter. Ok. C'est vu la déflagration. Ouais. Ok, Vigan aligné et décollage. Ok. Et j'ai. Tu veux encore des trucs ou... Moi j'ai plus de missiles hein, pour un moment je suis qu'en roquette. Ok, j'ai re-shoot. Oh, ça vient de shooter là. Oh ah, oui, je viens de... Oh, ça fait beau. Avec le... Dans le écran là, ça fait rigolo quoi. Ah, le cheval, ça fait super. Allez, RTV pour moi. SAU2 tu as eu. Bien, écoute. T'as pas vraiment le choix avec les bombes dans Guillaume. T'as eu, okay. T'as eu deux cibles. Ouais, c'était quoi? UAZ 469. Ok. Touchdown. Comment? Touchdown. Pour le mig. Touchdown. Ah ok, c'est bon.
Tu refais le plein là, Sky? Bah là, je viens de poser donc. Ouais, tu refais le plein, tu repars. Vas-y, Seb, fais des passes roquettes. Vas-y, toi tu bourrines. C'est comme vous voulez, hein, moi j'ai le temps. Vas-y, nous de toute façon on est. Moi c'était pour vous, comme j'ai détruit cette cible, c'était pour vous, passive humus quoi. Continue. Ah, les freins marchent pas! Ah mon dieu! Parachute! Pourquoi les freins marchent pas? Oh god, oh god. J'ai pas les freins. Putain, c'est quoi ça, mec? Les freins marchent pas! Oh putain! Ah, ah, les freins marchent pas! Arrête-toi, putain! Oh. Ah putain, arrête-toi, ça suffit là! Là, t'es dans l'herbe là! Ah, désolé, monsieur! Oh, voilà, c'est quoi vache, ce bordel? Oh, fais chier! Putain, j'ai posé une fois tout à l'heure, pourquoi ça a déconné là? Merde. Ah bah, je suis sur le dos, moi. J'ai pas compris, les freins ne marchaient plus. Putain, c'est chaud ça. Ouais, c'est emmerdant, hein. Bon. Bah, tu peux. Ouais, t'es un peu loin, quoi, mais tu peux en prendre un, quoi. Ouais, je pense j'ai pas pensé à remettre des avions à Sochi. Sors de L et là t'as plein de véhicules encore et de bâtiments, de tentes, juste avant le gros bout de cœur. Je fais ma passe d'attaque. J'y shoot. Vas-y. Et moi je tire. Ah, visuel. Ah ouais putain, il fait une belle traînée un truc hein. Ah c'est le truc Ah la vache, oui, la fumée qui. La lumière qui fait. Wow. Tu vois. Ah oui putain, je le vois, et putain je le vois passer. Waouh, c'est impressionnant et. Ouais, en plein dessus. Boum. Il y a un truc qui a pété, mais je crois que c'est à côté. Oh bah, à mon tour, j'ai essayé. Oh, si, ça a pété. Ouh là là, c'est quoi qui brûle là? Je dégage par l'ouest. Bon, là, sérieux, si vous voyez pas l'incendie. Là, t'as crié. Ah hein. Oui, là, putain, tu l'as bien eu là. Un feu de forêt. Hein. Waouh. Bon, là, à mon tour, avec un truc bizarre. Bien joué. On va voir ce que ça vaut. J'ai tiré des missiles dedans, enfin des roquettes, mais ça avait rien fait. Ouais. Ah, dans les dépôts au sol là? Ouais, j'avais tiré des roquettes, mais. Ouais. Ah, un beau feu. Ton missile, là, je l'ai vu passer ton missile là, c'était impressionnant. Oui, ça fait c'est un il passait point, sur hein. Ma il passait sur ma gauche quoi. En fait, il fait tellement de fumée. Moi, je vois juste un grand feu en fait, je peux plus viser là-dedans. j'ai vu que t'étais derrière le grand feu. Bon, je vais tirer le bunker, je pense. Pour essayer voir si ça part au moins. Ah putain, la trim qui m'emmerde. Et Fox. Ah le feu. Ah, allez, parti. Ouais putain, la fumée que ça fait aussi toi ton missile. Boum. Juste devant le grand feu. Ah j'ai vu. Ouais, c'est plutôt précis, en fin de compte ça va. Bah parce que tu as verrouillé de loin, enfin de près. Ouais. Ouais. Verrouille de près ça va. Putain, ça va brûle bien ton bazar. Ah ton truc c'est vieux. Oh, ça a pas pété grand chose, mais qu'est-ce que ça crame putain. Quoique, je dis ça. Oh. Ouais, vas-y, défonce tout là où t'as toutes les tentes en forme de L. Ouais, moi avec mes missiles, je sais pas quelle est la charge à bord du missile. C'est gros, c'est puissant. Ouais. Ouais, à l'origine, ils étaient utilisés, c'était des missiles anti-navires. Ouais, c'est sûr. Ah oui, d'accord. Donc c'est gros, c'est tu peux y aller, t'inquiète pas. Et puis tire dans les L, à mon avis. Ouais, dans les L, je tirerai dedans. Ouais, et puis tu le vois peut-être pas, ou peut-être que Seb s'en est déjà occupé, mais il y a pas mal d'unités d'infanterie. Ok, je tire. Non, je me suis pas tout occupé, il y en a encore. C'est tiré. Ouais, c'est parti là. Wouah, je vois ton missile au loin là, quel bazar. Ouh, en plein dedans. Ouais, ouais. Ah bah ouais. Toutes les tentes, une bonne partie des tentes a pété. T'as eu 3 tentes. Heureusement, t'as vu le truc quand même. Ah ça pète bien, ah ouais, en effet. Ouais, ça brûle. T'as ton feu de forêt a fini par s'arrêter. Ouais, ouais. C'est parce qu'il pleut ça. Alors là où vous avez tiré dans les tentes, il y a encore un véhicule léger. Deux véhicules légers. La commande de tir. Ouais. Ben il considère que tu t'apprêtes à tirer et t'as 40 secondes pour tirer ton missile. Et lorsque tu tires un missile, il switch automatiquement sur le second. Et si tu rabats pas ton. Il refait le décompte. Voilà. Et d'accord. Je crois que j'ai oublié de le rabattre. C'est sûr et certain, j'ai oublié de le rabattre. Et donc du coup. Et pour information. Ah, il y a encore. Oh, qu'est-ce qui a tiré là? C'est moi. Ah putain, bien joué, t'as tout eu. J'ai mis le secteur en mode 4. Non, t'as eu. Ah si, alors t'as eu une tente. T'as eu un autre véhicule léger qui a juste pété.
Donc là où t'as tiré sur la gauche, t'as encore deux tentes. Et à côté de ces deux tentes, t'as un petit véhicule qui est juste devant. Ok, feu pour moi. Et ah, à côté t'as, du coup, t'as tiré. Ouais, ça y est. C'est quoi, c'est ton missile feu follet là? Ouais. Tu vas arriver d'où? Ah, je le vois. Oh la vache. Attends, le rate ah, pas ça ce missile. Oh, dis donc. Et... Ah, je crois que je vise des cibles qui ont été détruites déjà. Ouais. Merde, j'ai visé des cibles qui étaient des... c'était des cadavres, je crois. Non, ça brûle encore. Ah non, ça a été tiré à côté. Non, non, c'était des cadavres. Donc je disais deux petites tentes et un véhicule, là où il y a la fumée là. Ouais. Et à côté du bunker, il y a une sorte de deux dépôts, deux, enfin deux trucs fortifiés, et il y a un petit véhicule encore au milieu. Oui, je viens de te voir. Ah, t'as tiré au canon là. Ouais. Ah, je vais passer au canon aussi. T'as eu le petit véhicule. Ah, nickel. Ah, c'est précis hein, le mec. Hein. Tant qu'on tire pas les missiles dessus, qu'il faut se rapprocher, c'est bon. Vas-y, hein, Johan. Ouais, je fais. Par contre, j'ai que des canons. Moi, ah, moi aussi, je suis plus qu'au canon. Hein. J'ai tout balancé là. Oh, il vient de péter là. Ah, t'arrives vite la vache. Merde. Ah, tu l'as encadré. Tu l'as encadré. Ouais. Ah, ouais, mais tu l'as pas eu. Je vais voir ce que ça donne. Tout avec le MiG. Si le MiG arrive à l'avoir et pas le Vegan, c'est quand même le coup. Hein. Ah, mais c'est parce que j'utilise pas, j'utilise mal mes systèmes d'armement. Ah bah oui, je sais pas trop les utiliser. Ouais, puis le Vegan il est pas facile. Hein. Hop, tu l'as eu. Bien joué. Ouais, bien joué. Il reste encore deux petites tentes. Mais il n'y a plus de véhicule, hein, c'est fini. J'aime bien le MiG-21. Quand il marche. C'est une bête de somme. En vrai, il est... enfin, pour ceux qui savent l'utiliser, c'est sûrement un avion très, très capable. Hein. C'est une bête de somme, moi, je trouve. Le truc, il fait tout. Ouais, bah c'est ça. Hein. Enfin, que le Vegan, c'est vrai qu'il est très très bon en airsoft, mais après, en RR, il sert à rien. Quoi. C'est marrant parce que t'es t'as tes potes qui sont verts, non? Ah, t'as eu la tente. Les tentes. Non, une seule. Le problème avec le Vegan, c'est que il a constamment besoin d'avoir le QFE de la cible. Il peut pas utiliser son radar, le Vegan, pour... Si, mais je sais pas comment faire, je sais pas la procédure. Et puis vu que c'est souvent très long à prendre... Ah, j'ai plus rien, moi, c'est bon. RTB. Ah bah, pareil, moi, je retourne. Marche. Bah écoute, Johan, j'entends avec toi quand t'as terminé. Hein. Moi je vais faire une dernière passe canon et ensuite RTB. Marche. Je vais essayer de voir pour si. Tire dans le tas. Si... Hein. Ouais, non, c'est machin. Putain, t'as vu, ça part. Ah, mais il y a du vent aussi. Voir la vache, le vent, comme ça débile du coup. Je sais pas si j'ai touché. Bien fait aussi avec le vent. Non, t'as rien touché. T'es où toi, Sky? Sur ta. Sous ton aile gauche. Ok, ensuite. C'est très joli. C'est très joli à voir. Ah, il voulait bien en formation là, purée. Ah ouais. Ah, c'est beau. Très joli. Bon allez, je me reconcentre sur mon atterrissage parce que je suis près du sol alors que je vous regarde comme un con. Hein. Je vais vous regarder une fois que j'aurai fini d'atterrir. Je suis bien collé au Vegan là, c'est joli. Fais des captures d'écran? Non, j'enregistre. Ah bien. Oui, écoute, c'était sympa comme vol, alors pourquoi pas. Ah, moi j'aurais dû enregistrer aussi, ouais, chaque fois que je. Et puis c'est sympa, un peu de la coopération, plein d'avions différents. Ouais. Il y avait pas de trucs hyper communs, genre des Mirage ou des F7 quoi, tu vois. Mmh. Je pense c'est vraiment des super avions, je trouve. Il y a vraiment une nécessité de. Ok, atterri sur le phare. Quoi. Tu peux okay. Regarder maintenant nos rapproches. Voilà, ouais. Je vais accentuer le virage. Ouais, vas-y, t'inquiète. Ah ouais, très joli. Hein. Après, il est beau, bon, le vieux. J'aimais pas le, la... le pas de réseau est génial. Oui, il est bon. Non ah, c'est vraiment beau. Je diminue les gaz un peu. Vas-y. Il y a du vent, hein, donc franchement, j'ai un peu de mal à le poser. Mais on va voir. Ouais, je coupe les gaz. Ah, on est un peu désaxé, j'ai pas fait un très très bon virage. Je me rabats un peu plus vers le sud. Je sors les aérofreins. On est rapide, c'est clair.
juste idle, j'ai l'impression d'être beaucoup moins, beaucoup plus plané que toi. T'es aérofrein, t'es encore en train de prendre la distance. Ah, il a du mal à freiner. Hein. Ah, je vois ça, parce que moi je suis idle et là, bon, moi ça freine. Hein. Je pensais que déjà le Wingotin freinait pas, mais alors toi, wow. Non, il a du mal, il y a vraiment, même avec les aérofreins déployés, vraiment, je rentre les aérofreins, c'est bon, je suis en vitesse d'approche. C'était les trains, ils ont fonctionné. Ah, les trains, c'est pas c'était terrain, tes trains, c'était vrai aérofrein finalement. Oui, oui, c'est les vrais, ils sont cachés, c'est. Tu prends la droite ? Ouais, j'essaie. J'essaie, c'est pas sûr. Hein. Parce que de toute façon, moi je prendrai la gauche, je pense pouvoir l'atteindre. De toute façon, je suis un peu derrière toi. Ouais. T'as 50 mètres de marge. Ouais. Un peu moins. Bel atterrissage, le vegan. Ouh, comme une fleur. Je freine pas. Et le MIG, comme une fleur. Bravo. Ah, bien. T'as tard à freiner maintenant. Ouais, pas. Non, enfin, ouais, pour le MIG peut-être, mais le vegan, ça va, tu peux le laisser rouler tranquille. Ouais, le MIG il ralentit bien là. Bon, bah, une mission qu'on a menée à bien. C'est sympa. Ah, mes freins marchent pas! Putain, j'en ai ras le cul! Et t'as pas un parachute? Bah, il marche pas. Et c'est ta veston loquée de. Complètement de ton. De ton train? Putain. Non, mais il est pas baissé justement, il est en position neutre. Et appuie sur Z. Ah, ça marche pas. Je vais me mettre dans l'herbe là-bas. Oh, putain, bah c'est bizarre ça. Fait ouais, deux fois hein. La commande ouais. Se presse pas, j'ai l'impression qu'en fait, juste la commande de frein se presse pas. C'est Z normalement, non? Oui. Moi c'est double, ouais, moi, parce que moi je les change. Ah, non, fais des zigzags peut-être. Ah, je crois que je vais réussir à l'arrêter, ça va. Oui, tu vas réussir à l'arrêter. Je vais ouvrir la verrière, ça va augmenter ma traînée. La traînée, ouais. Tout la verrière, tu sors tes mains dehors. Tu vas avoir allez, on freine. On freine. Tu vas avoir 20 litres d'eau avec ce qui pleut. Ah, je comprends pas, là pourtant. Bon. Ah, c'est bon, t'as l'arrêt. Ouais, quasiment, mais bon. C'est bizarre, hein. On regarde après l'affectation de tes touches, voir si ça n'a pas bougé. Je vais faire un truc, je vais regarder mes commandes d'axe et bien signer le commande des freins sur l'axe. Il va maintenir ton avion à 270 km/h. C'est bien ça. C'est pratique ça. Mmh. Je dis jamais, je sais pas pourquoi. Bon, en même temps, si tu dois atterrir sur des routes ou autoroutes, t'as déjà moins ça à gérer. Flash ouais. Info d'ailleurs, j'ai enfin le frein qui marche. C'était quoi? Bon, je sais pas, en fait la touche de frein refuse de marcher une fois que je suis après avoir décollé. En revanche, j'ai assigné l'axe de la commande des freins sur mon joystick. Donc, j'ai un axe qui fonctionne pour les freins et là j'ai le frein qui marche très bien. C'est-à-dire que le problème que j'ai eu tout à l'heure de frein, ça venait pas de l'hydraulique, enfin du pneumatique, mais ça venait vraiment de tes touches, d'affectation. Ouais, un bug. Ouais. Faudrait que j'apprenne à paramétrer la météo de DCS. Voilà, il était pas mal la météo là. Ouais, mais toi c'est toujours la même depuis. Là, il est 8h19 et c'est toujours la même depuis 6h30. Oh, mais elle est pas dynamique. Si. Non, mais justement, j'aimerais bien savoir comment paramétrer la météo. Tu peux faire un truc à peu près dynamique, je crois, sur DCS. Ouais, non, tu peux, ouais, tu as moyen. C'est un peu compliqué, faut vraiment. Enfin, il y a des notions, j'avais essayé sur Nevada.